On peut le voir cependant sur le tableau même. Chacun peut le voir à sa manière, interpréter ce qu'il voit et comment il voit. Souvent, dans les tableaux sont cachés plus de paroles, de silences et de doutes que les mots peuvent exprimer. Ces paroles prononcées amoindrissent souvent l'essentiel et conduisent sur d'autres chemins. J'ai travaillé comme pour moi-même, jour et nuit, chercher et douter. Mais c'est soi-même se sépare souvent et se multiplie dans la masse des gens que je sens autour de moi. Et je me pose pendant que je travaille ces questions. Pour qui je peins? D'où je viens? Et vers qui je veux? Comme toujours, je vais m'approcher non seulement des yeux, mais du cœur même des autres. Pour que ce chemin de travail dépasse tous les moyens cérébraux, avec toutes leurs théories et ce qu'on appelle la technique, puisque la technique est automatiquement englobée dans le message. Si le message est authentique, la technique est aussi authentique. Mon ami Bing et le comité de Metropolitan Opera se sont adressés à moi pour faire ces peintures murales. Et maintenant, sur ce mur se reflètent mes sentiments et mes rêves plastiques qui voudraient exprimer les rêves de l'art et de notre temps tumultueux. J'ai vécu ici, en Amérique. Nous voulons le bonheur dans les couleurs claires, pures des tumultes de la terre, pour que l'art rentre dans un paradis, comme cela réalisé un jour dans l'introduction de la flûte enchantée de Mozart. Je désirais m'entourer de couleurs et de musique, de ces personnages dont le visage garde le sourire, ce sourire qui calme malgré que l'âme soit recouverte souvent d'un nuage nostalgique. J'ai tâché d'exprimer tout cela de mon mieux sur ces murs. Sur eux se trouvent ces figures héroïques de la musique, les chanteurs, les danseurs, qui ont voulu et veulent jouer le contenu de rêve de leur vie pour nous tous. Je suis parmi eux avec les moyens que je réussis non seulement des académies, mais dans la dure vie de mes parents et dans le regard affectueux de mes amis. Je ne sais pas combien de gens vont accepter mes paroles, mes couleurs et ce rythme sur ce tableau. Je voulais transmettre cela à ceux qui mon âme a écouté dans ce monde et dans l'autre monde. Alors je me suis appuyé sur ces héros fantastiques qui ont possédé les voies de la nature comme la nature même. Je vais remercier le comité de métropole.